cap et arriver à destination. Il vous faudra du tonus musculaire pour résister. Mais la force morale sera de loin beaucoup plus sollicitée que la force physique. Au tout début du trajet, je vous encourage à vous armer de détermination, de discipline et d'honnêteté pour mener des luttes intenses, dont celle contre la corruption. Pour finir, je voudrais adresser des remerciements spéciaux à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui ont rendu possible cette formation. En premier lieu, l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Haïti, qui, depuis 23 ans, a offert et continue à offrir jusqu'à cette promotion un appui logistique tant au recrutement qu'à la formation. Je voudrais publiquement reconnaître le dur labeur et l'engagement du corps des instructeurs mobilisés pour dispenser aux apprenants un enseignement de qualité dans un contexte difficile et précaire. Aspirant de la 29e promotion, allez rejoindre les autres. Travaillez avec ardeur et professionnalisme pour neutraliser les voyous qui veulent toujours garder la population sur les qui-vive. Qu'il en soit ainsi pour la paix dans les familles et le progrès de notre paix, de notre pays. Merci à tous. Merci. Maintenant, l'escorte des couleurs du bataillon de la 29e promotion va remettre les étendards à l'escorte des couleurs de la PNH. L'escorte de la 29e va maintenant reprendre place
dans le bataillon de la 29e promotion. Au centre pour la prestation de serment des aspirants policiers. L'assistance est priée de se lever pour la prestation de serment des aspirants de la 29e promotion. Maintenant, ce n'est plus des aspirants policiers, ce sont des policiers à part entière. L'assistance est priée de se rasseoir, s'il vous plaît. Zomim, oh, mon frère, mon frère. Vous êtes net, mon frère. Maintenant, nous avons 692 nouveaux policiers au sein de la police nationale d'Haïti et c'est de bon ton d'appeler notre ministre de tutelle pour son discours de circonstances.